Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 février et il est actuellement 11h30. Alors, comme d'habitude, je vous vlog à 11h30, mais on va pas dire que c'est tard puisque maintenant je vlog à cette heure-ci. Attendez, je vais vous allumer parce que du coup, on n'y voit pas trop bien. Voilà. Donc, il est 11h30. Les garçons se sont levés vers 11h, Carla s'est levée à 11h, Logan s'est levé à 8h30. Il a relativement bien dormi. Avec Franck ce matin, on a profité, on a fait la déclaration d'impôt. Voilà, comme ça au moins c'est fait. On va continuer aujourd'hui la chambre des garçons. Moi je vais continuer à peindre la porte de les portes, donc je vais faire la chambre de la nôtre, la chambre de Carla, et puis normalement ça devrait être bon. Pour maintenant, j'ai commencé un petit peu à faire chauffer des légumes pour Logan. Pour ce midi, je pense que je vais faire, alors c'était prévu hache parmentier, mais du coup j'ai changé, je fais pas d'hache parmentier. Je pense qu'on va faire patatos avec des steaks hachés. Pour l'heure, c'est ménage comme tous les matins. Et un bon coup, hier j'ai fait, mais toujours c'est à refaire. Donc du coup, là j'ai l'aspirateur qui est déjà m'attend ici. Donc du coup je vais passer l'aspirateur, faire la salle de bain, plein de trucs à faire. Et après on va mettre la fiche et j'aimerais faire la chambre des garçons un petit peu en grand. Et je leur ai pas sorti le linge, normalement ils le font eux-mêmes, mais je leur ai pas sorti le linge d'été encore. Donc je pense que je vais faire ça aussi cet après-midi. Logan, laisse l'aspirateur s'il te plaît. Il t'a rien fait l'aspirateur. Laisse-le. Donc allez, je vous laisse, c'est parti. Thank you.
You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing. And of course it hurts every thought you make. But I know for what it's for, my own sake. I'm a paper plane. Wind is throwing me across the sky. And downs, they are all my wind waves. I am flying through the sky and don't care about the haze. Oh, I'm honestly not tired of my pretty flight, and it's sad. Je vous reprends, ben, il est 14h30, on a fini de manger tranquillement. Logan est au dodo, tranquille. Ben, comme tous les jours, c'est le temps calme. Moi, je vais me poser un petit peu devant la télé, tranquillement. Je pense que je vais me refaire les ongles, comme ça au moins, ça me fera passer le temps. Logan, j'espère qu'il va dormir un petit bout de temps. Et après, on attaquera tranquillement les chambres. Et après, j'aimerais un petit peu sortir parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu. Il fait super beau. Donc, j'aimerais un petit peu sortir. Hier, il y avait du vent, donc je ne suis pas sortie parce qu'il y avait le pollen. Mais là, là c'est bon. Donc, du coup, je pense qu'on va faire ça. Alors, peut-être où je sortirai et après, je ferai la peinture ou l'inverse. Voilà, ça dépendra en fait du lever de Logan. Et on prendra, je pense, le goûter aussi. Ça dépendra à quelle heure il se réveille. On prendra le goûter directement à la colline parce qu'il y a une colline qui est pas très très loin de la maison. Donc voilà, c'est sympa. On prendra les chiens comme on fait tous les jours. Là, en ce moment, j'essaye de sortir un petit peu tous les jours parce qu'il fait beau. Et ça fait du bien à tout le monde, en fait. Voilà. Donc là, je vais profiter de ce temps d'accalmie et de me poser un petit peu... un petit peu sur la télé et faire maison parce qu'il y en a besoin. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, voilà, je vous reprends. Il est 5h15. Logan a dormi jusqu'à à peu près 4h. Il a pris son goûter tranquillement. Moi, je me suis un petit peu reposée aussi. Aujourd'hui, je suis un petit peu en vrai. Je me suis pas maquillée, pas coiffée. Je suis coiffée comme n'importe comment. Je suis en train de boire mon petit café. Et là, Franck, il vient de poser la fiche dans la chambre des garçons. Ça fait super joli. Il me reste encore à ranger. Mais bon, déjà, je vais vous montrer un petit aperçu de ce que c'est. Allez, j'y vais de suite. Bon, voilà le rendu de la fiche. Ça fait super joli. Donc là, après, il me restera encore à ranger. Mais on voit ce que ça fait. Donc vous voyez comme elle est grande quand même. Ça prend pas tout le mur. Bon, là, on l'a centré au milieu. Et je pense que le meuble, on va le mettre juste ici. Voilà. Donc pour ranger tout ce petit bazar qu'il y a là. Parce que en fait, il va me manquer un meuble. Donc du coup, je pense le réutiliser. Bon, voilà. Ben, nous voilà dehors. En fait, on est sorti parce que Franck, il va mettre le meuble des garçons et en mettant le meuble des garçons, ça fait du bruit. Logan, il a peur de la perceuse, en fait, du bruit. Donc du coup, j'ai dit, écoute, t'embête pas, on va faire un tour avec Carla et les chiens, comme ça au moins
comme ça, moins, au moins il n'a pas peur. Ben, on est dehors et on entend percer. Hein. Là, les chiens ils sont là, avec Carla. Et Doudou, il est là. Ça va, Doudou? Voilà, donc on prend quand même notre petit rituel de promenade, en fait. C'est devenu un rituel du soir ou du matin. Pff, en même temps, rien. On monte, non? On va vers la maison de retraite? Ah oui. Ou on descend et après on remonte? Qu'est-ce que tu préfères? N'importe. Je pensais qu'on allait juste faire le tour du bâtiment. Ben, viens, on descend en bas. On descend en bas en même temps, on ne peut pas descendre en haut. On descend et puis après on monte à la maison de retraite. Bon voilà, donc on fait notre petit tour. En plus, il fait super bon. La Logan a pris son petit goûter. Moi, j'ai bu mon café et puis voilà. J'ai pas peint. Alors, quand je remonte, je peindrai, mais ça, c'est vite fait. Passer un coup de peinture sur les deux portes, c'est très très vite fait. Voilà. Je voulais dire que j'ai eu des bons retours en fait sur les brochetta. Sur les brochetta. Alors, je pense que je vais rajouter la recette sur la vidéo de hier. Parce que j'ai eu beaucoup de messages en fait qui m'ont demandé la recette et qui ne connaissaient pas. Donc c'est super bon et c'est facile à faire. Donc je pense que je vais faire ça en rentrant. Bon allez, je fais mon petit tour, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, rentrée de notre petite promenade. Il est déjà quand même 18h15. On a promené bien 45 minutes, hein, ça fait du bien. Mais il fait chaud dehors, hein, en marchant en même temps toujours. Donc on a fait l'attestation sur le téléphone. Alors c'est super ça par contre. Hein, on a qu'à rentrer son nom et l'heure et la date. C'est super, super. Bon, du coup, Franck a fait la chambre des garçons. Alors je vais vous montrer de suite. Bon voilà, donc du coup Franck a mis le meuble qui était là en fait, il a mis là. Là on a remis la petite déco Star Wars. Là on a remis son petit cadre de Space Mountain. Voilà, donc là c'est tout le coin de Star Wars avec ces petites figurines de Star Wars, les pop. Celui-ci, je vais vous le montrer, il est trop beau. Ah, mince, il fait pas. Ah, bon. Ah, voilà, il fait l'effet que je voulais. Voilà, il est super joli. C'est Carla, oui, qui a acheté à son frère quand il est parti à Disney. Oui. Bon, alors il a une belle chambre. Il a une belle chambre. Ah oui, c'est belle. Il a une belle chambre. Ça te plaît? Ça te plaît? Bonjour. Ouais. Non mais c'est bon, c'était l'affiche que tu voulais ou... Ouais, ça se passe. Bon, c'est vrai que l'idéal ça aurait été de faire quand même tout le mur, mais en fait sur mesure il y en avait pour 400€. Donc celle-ci on l'a payé 49€, donc ça ira très très bien. Donc ouais, 400€ sur mesure, donc ça suffit largement ça. Bon voilà, je vous reprends. Ben, il est 21h30, Logan est parti se coucher.
Enfin, il est parti. On l'a mis au lit. Là, Franck, ben, on va pas regarder les séries ce soir parce que demain, il commence très tôt. Donc, du coup, je pense pas qu'on va regarder les centres. Là, je vais commencer... enfin, je vais commencer. Je vais faire les yaourts à Logan. Comme ça, et au moins, ils sont... je les mets pendant la nuit parce qu'il faut quand même 12 heures. Donc, du coup, je vais mettre les yaourts. Comme ça, au moins, ça m'avance pour demain. J'ai aussi mis... les pommes de terre à cuire, ben ça m'avance aussi pour demain parce que demain c'est sur le menu c'est salade de pommes de terre, salade de pommes de terre pour le midi et ça et je sais plus ce qu'il y a le soir. Mais en tout cas comme ça m'avance, j'aurais plus qu'à mettre les crudités dedans. Et j'ai pas encore pris ma douche. Tout le monde est allé dans leur chambre faire leur petit on va dire. Activité, on va dire, c'est pas une activité puisque ça va être film et jeu. Bon, les garçons ils jouent dans leur chambre à leur console, hein. Faut pas se mentir. Et Carla, je crois qu'elle doit regarder Disney Plus. Et je ne vois plus. Voilà, je vais chercher du lait entier parce que pour les yaourts il faut du lait entier. Donc du coup, je vais mettre ça et puis après je vais prendre ma douche parce que je suis un peu claquée. Ouais, je ne me revois plus. Voilà, donc je vais mettre ça parce que du coup, je suis un peu claquée. Et je me tarde de prendre une bonne douche en fait. Voilà, c'est pas que j'ai fait un marathon aujourd'hui, mais bon, il y a des jours où, comme ça où on est un petit peu claqué. Voilà, d'une main c'est un peu compliqué. Donc là, je mets parce qu'il faut quand même 800. Enfin, moi, sur ma recette, il faut 800 millilitres. Donc, du coup, voilà pour 6 yaourts. Là, j'ai fini tous mes petits Suisses. Donc, j'en ai pas refait cette semaine, justement, parce que je voulais finir tous les petits Suisses. Et comme ça, moi, je repars demain. Je repars demain sur un retour de course basique et je reprendrai sûrement des petits Suisses. Voilà, là, je vais mettre le ferment lactique. Et moi, il me faut 8 cuillères à café de sucre dans la recette que j'ai de ce livre-là. Alors, ce livre-là, il est top parce que vous avez... plein de recettes sur les yaourts. Alors, je vais vous montrer. Donc vous avez le yaourt nature, hein, et puis vous avez yaourt à la menthe, vous avez yaourt façon crème brûlée, enfin pas mal de recettes. Il y a aussi tout ce qui est tarte tatin au citron, tarte au citron. Enfin, il y a un livre et je l'utilise pratiquement tout le temps pour faire mes yaourts. Donc là, je vais mettre ça. Et dans le livre, donc, ils disent qu'il faut 8 cuillères à café de sucre. Et si vous voulez faire du au chocolat, il vous faut 8 cuillères à café de cacao, enfin ce que vous voulez. Voilà. Bon, voilà, je vous reprends. Ben, il est minuit. Je viens de finir de monter le vlog. J'ai quand même regardé avec Franck deux épisodes de la série. J'espère que demain il va réussir quand même à se lever parce que du coup on a regardé jusqu'à 11h quand même. Et du coup après j'ai monté un petit peu le vlog, il me manquera plus juste cette clôture à rajouter. Voilà, ben écoutez, une journée basique, simple, en confinement. Mais bon, on commence à prendre nos marques un petit peu quand même. Bon, après tout le monde est à la maison donc c'est sympa aussi, mais c'est vrai que tout le monde a hâte de pouvoir sortir. Mais bon, ça devrait plus tarder. Voilà. Donc, on arrive toujours à s'occuper quand même. Hein. Demain, je vloguerai aussi parce que demain, il y a les courses. Donc, je pense que je vous mènerai avec moi. Et demain, on lève les poings à Logan. Donc, voilà. Grosse journée demain pour Logan. On lui lève ses poings. Voilà. Ça a bien cicatrisé. Mais bon, voilà. Sinon tout va bien, sinon rien de particulier. Voilà, donc je vais vous laisser ici parce que je vais clôturer, aller me coucher et puis voilà. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter
Et je vous dis à très 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 vite dans un prochain vlog.